Il est bien. C'est de la merde. C'est de la merde. Salut les balécouilleurs, salut les balécouilleuses, et bienvenue sur la chaîne avec le balécouilleur. Les balécouilleurs, les balécouilleuses, regardez, ici on est défoncé, on est niqué. C'est décousu, c'est déchiré, troué. C'est complètement défoncé. Il faudra que je répare ça, je ne sais pas quand ni comment. Pour l'instant, on s'en bat les couilles. C'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est le titre. Ne me faites pas de dons pour l'instant. Je vous explique tout. Je suis enfin partenaire YouTube. Ça veut dire que je peux monétiser ma chaîne et mes vidéos, recevoir des dons, être YouTubeur et tout ce qui va avec. Oui, ça c'est débloqué. Mais il reste encore plein de petites étapes à faire, qui sont extrêmement importantes pour le reste. C'est-à-dire, donner des informations fiscales. Je sais même pas lesquelles c'est, je comprends que dalle. En plus, ça rime, mais c'est pas fait exprès. Il y a plein de choses à enseigner, comme donner des informations fiscales, donner un RIB, une photo de ma carte d'identité. Il y a plein de petites étapes à faire, et je comprends absolument que dalle. Je sais même pas dans quel ordre il faut faire les étapes. Moi, j'avais pensé à demander à mes quatre compatriotes, Merej, Fred d'Étoile et des Poils, Mic Officiel et Journal TV, parce que je parle avec eux sur Twitter. Donc j'avais pensé à demander à des youtubeurs qui ont déjà fait toutes les étapes et qui sont déjà passés par là. Je comprends absolument que dalle. Donc, c'est pour dire que j'ai reçu des dons, trois dons, il y a 2 jours. Attendez, je l'affiche sous les yeux, je mélange un peu tout, mais vous allez comprendre où je veux venir. Alors attendez, voilà. J'ai eu un don de 5 euros de Jocelyn de Rien, Pierrick Lagrelle, 10 euros, et 5 euros d'Eric Pimel. Alors désolé, c'est sympa, c'est extrêmement sympa de votre part, mais c'est de l'argent que vous avez gaspillé. Je ne l'ai pas reçu, et oui, enfin je sais pas, je n'ai pas reçu, je comprends rien, parce que j'ai pas encore fait toutes les étapes. J'ai pas encore fait les étapes comme je disais, donner des informations fiscales et tout le bordel. Je comprends absolument rien, c'est le bordel. J'ai plein de choses à faire, je sais même pas dans quel ordre il faut faire les choses. Donc c'est très sympa les dons, mais pour l'instant, je sais pas où ça a été foutu. Donc désolé, vous avez gaspillé 5 et 10 euros. Tout ça pour vous dire que oui, je fais des lives tous les soirs. Je commence à peu près vers 22h20, jusqu'à minuit et demi ou 1h du matin. Je fais entre 2h et 3h de live tous les soirs. Donc je voulais vous dire encore que pour l'instant, ben ne me faites pas de dons quoi. C'est pas encore validé vraiment quoi. J'ai encore plein de choses à faire, toutes les étapes et tout le bordel. Je comprends rien. Et je répète, je parle avec Merej d'Étoile et des Poils, Mic Officiel, Journal TV sur Twitter. Donc je pensais leur demander comment on fait. Parce que eux, ils ont évidemment fait tout ça. Ils ont fait toutes les étapes, ils sont déjà passés par là. Donc vu que je comprends rien, je pensais leur demander sur Twitter quoi. Donc ne me faites pas de dons pour l'instant, évidemment, je vous préviendrai quand ce sera vraiment, quand les choses seront faites, vraiment, quoi. Voilà. En fait, pour l'instant, j'ai juste débloqué la possibilité de recevoir des dons et de monétiser la chaîne. C'est tout. Et toutes les étapes à faire après, comme encore une fois donner une carte d'identité, un RIB, les informations fiscales, et tout le bordel, tout le bordel, pour l'instant, c'est pas encore fait. Voilà. Donc, encore une fois, je sais, j'ai radoté, j'ai répété plusieurs fois les choses. J'ai un petit peu parti dans tous les sens. Au montage, j'ai un petit peu en chier, j'avoue. Ne me faites pas de dons pour l'instant. Ça sera de l'argent gaspillé. Voilà. C'est très sympa de votre part, mais pour l'instant, ne faites pas de dons, s'il vous plaît. Vous allez juste gaspiller votre argent. Voilà. Je vous préviendrai évidemment quand toutes les étapes et tout le bordel sera fait et quand on sera opérationnel. Voilà, voilà. C'était pour vous dire ça. J'espère que je suis pas un petit peu parti en couille. Et je répétais plusieurs fois les choses pour être sûr. Voilà, voilà. Et à bientôt!